Bien immobilier, est-il efficient sur le plan énergétique? Cette question peut se poser non seulement pour les nouvelles constructions, mais aussi pour les assainissements et les rénovations. Cela vous permettra non seulement de revaloriser votre bien immobilier, mais aussi de préserver sa valeur sur le long terme et de réduire les coûts énergétiques. Il ne faut pas nécessairement procéder à des travaux d'assainissement complets ou équipés à neuf. Faites avec nous un petit tour d'horizon des solutions possibles pour améliorer l'efficacité énergétique. Une mesure souvent constatée est l'installation de panneaux solaires pour produire de l'électricité ou de l'eau chaude dans le respect du développement durable. Mais de petits aménagements à l'extérieur, comme un compost, un tonneau de pluie ou des arbres et des étangs, contribuent également à un urbanisme durable. Outre le triple vitrage des fenêtres, l'isolation thermique des murs extérieurs, de la façade, du toit, de la chape, du plafond, de la cave et du sol contribue également à une meilleure régulation de la température. Misez exclusivement sur l'éclairage LED et choisissez des appareils de classe d'efficacité énergétique A et B lorsque vous réaménagez votre cuisine. Installer un système de recyclage des eaux grises permet non seulement d'économiser l'eau potable, mais aussi de réduire les eaux usées. Coûteuse, elle nécessite un investissement plus important et une planification minutieuse. Les systèmes de chauffage modernes peuvent être beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique et moins coûteux à l'usage. En remplaçant le chauffage, les émissions de CO2 de votre bien immobilier et les coûts d'une nouvelle acquisition sont considérablement réduits et les coûts afférents seront déjà amortis au bout de quelques années. Les pompes à chaleur, par exemple, utilisent la chaleur environnante pour chauffer les pièces intérieures. Ce système implique toutefois de respecter des exigences élevées et ne s'avère pas toujours rentable, surtout dans les bâtiments anciens. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser des chauffages à bûches ou à pellets qui brûlent des matières premières renouvelables. Pour connaître les mesures les mieux adaptées et les plus rentables sur le long terme, consultez un spécialiste. Vous trouverez sur notre site web des liens complémentaires sur les démarches et l'obtention de subventions. Nous vous accompagnons volontiers dans le financement et la planification de votre budget et restons à votre disposition pour un entretien de conseil personnalisé.